Bonjour tout le monde, ici Orphea 2012 en 1.8 sur la map Bikini Bottom que j'ai téléchargée il y a un petit bout de temps maintenant. Mais je n'étais encore jamais venue la visiter avec mon pack de ressources Ancienne Égypte. Donc on va aller se promener et là déjà vous voyez qu'on a un beau palmier magnifique avec le pack de ressources qui est quand même... Il est super bien fait ce palmier, dis donc. Alors, à l'époque où j'ai fait des vidéos sur cette map, mon ordinateur était pas celui-là. C'était un ordinateur qui avait à peu près la puissance de rien à la course, de, comme moi là, tu vois. Hop là! Je précise que je ne marche quasiment plus et que... Ben bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc, il y a plein de détails que je n'avais pas pu voir, du coup, à cause de cet ordinateur en fin de capacité. Voilà. Alors, avec le pack de ressources, ça va être quelque peu choquant. Oh, génial! Pourquoi j'ai une porte et un lit, moi? Ah ben, c'est rien. C'est parce que c'est Lucie qui vient souvent se promener sur cette map. Donc, du coup, elle a pris du matos. Et à y avoir un bruit chez moi, j'ai eu très peur. Waouh. Il y a un boulot de malade mental sur cette map. Oh, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Oh, mais c'est quoi ça? Ah bah attends. Ah d'accord, mais ça fait trop beau ça. Il faut que j'y pense pour ma map Ramsès 2. Mais j'aime bien. Puis avec le pack de ressources, je redécouvre la map. Et c'est assez agréable. Tac. Faudrait que je retrouve le lien vers cette map pour vous le donner, pour la télécharger. Parce que franchement, elle est magnifique. Et c'est hyper agréable de se balader dans la ville de Bob l'éponge. Bob l'éponge, c'est quand même une valeur sûre dans les dessins animés. Le truc qui se regarde, je veux dire, parce qu'en ce moment, je ne sais pas. Alors peut-être que c'est moi qui ai la reine des cruches, j'en sais rien. Mais... Faut quand même avouer que les dessins animés en ce moment, il y en a certains qui sont très moches. Très, très moches même, je dirais. Et regarde-moi ça, comment que c'est beau. Bon, c'est sûr que Minecraft avec le soleil levant ou le soleil couchant, tout de suite, ça a une autre gueule. Mais comment? Oui, il y a des dessins animés qui font limite saigner des yeux, quoi, comme dirait Pauline dans la Flanders Company. Hein. Je vais donner un exemple, Hôtel Transylvanie qui passe sur un peu toutes les chaînes. Si j'aime bien en ce moment toutes les chaînes, elles se passent les dessins animés. T'as Hôtel Transylvanie qui est quand même très moche. T'as quand même les nouveaux... Oh, je ne sais même plus, Babyloon et Toons, je sais rien, enfin bref. Non, les nouveaux... Oh, je sais pas trouver. Donc là. Enfin, tout plein de dessins animés comme ça, tu te demandes pourquoi ils ont sorti des horreurs pareilles. C'était pas la peine d'user des crayons. Bon, non, de toute façon. Ah, je rigole. Hein. Pas con, moi. Il faut comme Orphea, quand elle fait sa map Ramsès 2, elle se casse pas les bras non plus. C'est juste la souris qui morfle un petit peu. Mais voilà.
Et Bob l'éponge, après, on peut aimer ou pas aimer, mais sérieusement, ça se regarde vraiment bien. Et c'est souvent très rigolo. Il y a quelques épisodes qui peuvent être un petit peu lassants, mais t'en as certains que tu peux regarder facilement sans jamais te lasser. Et moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cette map, on va voler peut-être un peu, ça ira mieux. J'ai hâte d'aller voir. Eh ben voilà, nous y voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Un bug de lumière, première. Voilà. Avec le pack de ressources, c'est de temps en temps que ça arrive. Enfin, c'est pas gênant. Alors, la maison de Bob l'éponge. Alors, il y a peut-être eu des transformations hein, de la maison de Bob l'éponge. Étant donné que Lucie y va souvent. D'abord, là, on a une porte, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Ah, t'as vu, il y a le bloc qui fait saigner des yeux. Et puis il y en a partout. Hey. Là, nous voilà dans le couloir. Tu veux pas fermer les portes? On a même du gâteau si on a faim et tout, c'est génial. Non, ça s'ouvre pas. Ah, peut-être il faut que je lâche. Voilà, je sais pas. Ah ben non. Ah non, c'est les portes en fer, donc du coup. Il y a un bouton Orphée. Oh. Vas-y, fais genre que tu connais rien. Voilà. Hop. Eh ben ça a quand même vachement de la gueule avec un pack de ressources. Déjà que normalement c'est très beau. Mais là, avec le pack de ressources, c'est pas mal. Waouh! Waouh! Eh ben, c'est beau, hein? Waouh la vache! Oui, je sais. Encore une fois, je vous fais un caca nerveux avec mon pack de ressources. Salle de bain. Salle de bain. Ah bah si, bain. Ah, un petit bain. Ah. Et ici. Peut-être il faut appuyer sur un bouton. Je ne sais pas. Ah ben voilà. attends, parce que moi j'aurais voulu retourner à l'endroit où j'étais avant. Waouh, ok. En fait, t'as des portails un petit peu partout qui t'emmènent à droite, à gauche, et c'est vachement casse-gueule. Bien fait. Ben voilà, et puis c'est tout. Voilà, regardez la terrasse. Bon, je sais, c'est avec le pack de ressources. Oh, ancienne Égypte. Mais c'est quand même beau, hein. Là, on a la maison de Patrick, là-bas. Là, ici, la maison de Carlo le calamar. Et moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? On va rouler, on va avancer un peu plus vite. On va rouler. Comme d'habitude. On a un panneau et là c'est écrit. Ah, Goulagoun. Voilà. Là où tous les habitants de Bikini Bottom vont. Au bord de la mer. Tu sais, ils sont dans l'eau, mais ils vont au bord de la mer quand même. Il est pas mal ce tapis. C'est quoi cette couleur jaune? Je l'utilise jamais. Oh, oh, pardon.
Excusez-moi. Mais ça pourrait être une idée pour Mama Princesse 2. Le tapis jaune, je ne l'utilise jamais. Bon, il y en a qui sont très moches, des tapis dans ce pack de ressources, mais celui-là est très très beau. On a plein de constructions là-dedans. Moi, je trouve ça assez impressionnant. En fait, pourquoi est-ce que je reviens là avec mon pack de ressources? Pour la simple et bonne raison que... Eh ben, Mama Princess 2, elle existe à cause ou grâce, ça dépend de quel sens on se place. Allez, grâce à ce pack de ressources, j'ai envie de dire grâce, parce que grâce à cette map, j'ai appris plein de choses sur l'Égypte ancienne en faisant des recherches, parce que du coup j'ai poussé au max le délire, et comment, ça c'est la maison de Sandy l'écureuil. Et puis cette map aussi m'a énormément parlé, et quand j'ai vu la tout ce qu'on pouvait faire comme construction, j'avoue que quand on me dit oh, ça fait deux ans passés que t'es sur ta map Ramsès 2, dimanche j'ai sorti quand même le 161e épisode. Mais je me dis que la personne qui a fait ça a dû passer un temps monstrueux aussi. Ça lague un peu, mais ça va aller. Allez, gentil, 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 gentil. Et regardez rien que les méduses. Tiens, on va s'en becter une en pleine tête. Les méduses sont magnifiques. Alors là, ok, c'est avec mon pack de ressources. Mais je peux faire pire. On peut prendre le pack de ressources de Lucie, Sugar Pack. Et là, tout de suite, hein. Eh ben, ton pack Égypte ancienne, tu l'aimes? Ah ouais. Eh oui, tu l'aimes et tu l'adores. Parce que ça fait un petit peu... Waouh. Quand t'es là sur le sable, à la limite, ça peut le faire, mais... Attends, on va aller voir la maison de Bob l'éponge. Chum Bucket qui est là. J'ai pas envie de rentrer dans toutes les maisons, j'ai juste envie de regarder d'extérieur ce que ça donne avec le pack de ressources. Ouais. À faire une fois, mais peut-être pas recommencer. Bon, allez. Moi, je vous embrasse bien fort. On va remettre le pack de ressources par défaut. Pack de ressources que j'apprécie énormément. J'ai eu beaucoup de mal à prendre des packs de ressources et là j'aurais pas le pack de ressources Égypte ancienne. Je vous avouerai que je n'irai pas voir ailleurs. Je ne ferai rien, je veux dire. Je n'utiliserai pas de pack de ressources. Le Sugar Pack me fait rire parce qu'il est un petit peu agressif, mais pas forcément néfaste. Bon allez, moi je vous embrasse bien fort, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde.